bon appétit, bébé. Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Et aujourd'hui, on va parler mode et accessoires, un petit peu de chaussures avec le site Rosgal. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait deux vidéos sur ce site. Je vous les mettrai en petite fiche ici. C'est un site que j'adore. On y trouve des pépites à petit prix. Et franchement, la qualité, jusque-là, je n'ai pas été déçue. Donc, on va voir si avec ces produits-là, bah, c'est toujours pareil. Donc, il y a un petit peu de vêtements, il y a une paire de chaussures, il y a deux sacs, il y a un petit peu de bijoux. Donc, on va commencer tout de suite avec ce petit top que j'ai déjà en bleu et en noir et que j'adore. Et je me l'en suis pris en rose poudré, un bon rose. Voilà, alors, il est superbe, il est super qualité. Alors, moi, je l'ai pris en taille 5XL. Comme je vous l'ai dit, sur les sites asiatiques, puisque c'est un site asiatique au niveau de Rosgal, il y aura un code promo que je vous donnerai aussi à la fin de la vidéo qui est valable sur tout ce qui n'est pas déjà en promo. Il faut savoir que les délais sont comme les autres sites asiatiques. Hein, c'est entre 15 jours et 3 semaines, un mois. Au niveau des tailles, il faut se référer au tableau. Il faut prendre vos mensurations, tour de poitrine, tour d'épaule, enfin, etc. Et il y a juste à se référer au tableau. Moi, je ne me regarde même plus les tailles. Je ne regarde que le tableau. Je regarde mon tour de poitrine. Je prends par rapport à mon tour de poitrine et le reste, ça roule. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en 5XL. Franchement, il est top et il est super. Voilà, j'adore. Ça avec un petit legging, voilà, vous êtes habillé, un petit accessoire. Franchement, ces petits hauts-là, je vous les recommande. Ils sont vraiment toutes les couleurs. Il y a plein de couleurs. Donc franchement, au top. Ensuite, ce petit, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Les prix changent très souvent, donc je ne vous donnerai pas les prix. Je vous donne un prix approximatif. Celui-ci, je l'ai payé moins de 10 euros. Donc franchement, le prix de celui-ci était à moins de 10 euros. Donc franchement, au top. Ensuite, on a un petit pull façon one shoulder. Même si du coup, je trouve que le one shoulder, sur moi, ne se fait pas. Parce que du coup, je l'ai pris en 3XL. Je ne sais pas s'il était en plus grand taille. J'aurais peut-être dû prendre une taille dessus pour avoir quelque chose d'un petit peu plus oversize. Mais dans quelques temps, il sera sûrement trop petit, trop grand pour moi. Donc, il sera oversize. Donc, vous avez un grand col comme ceci. Donc, je vous mets des petites vues portées pour les articles que vous n'avez pas encore vus. Puisque les autres, vous les avez déjà vus en d'autres coloris. Donc, vous avez un grand col V comme ceci. Donc, vous pouvez le porter en col bateau comme ça. Ou alors en one shoulder comme ceci. Vous avez des manches longues, donc c'est un petit pull, un genre de sweat façon sweat. Et sur le devant, vous avez écrit un grand love façon tag. Donc il est assez long, hein, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo portée. Il est assez long. Au niveau des finitions, il est relativement bien fini. Les coutures sont vraiment bien faites. Il n'y a pas de fil qui... Il y a un ou deux petits fils qui dépassent, mais rien de bien méchant. Il est assez chaud. Je l'ai porté toute une journée et je me suis dit, bah, finalement, il est quand même assez chaud. Voilà, avec une petite paire de bottines, une petite paire de baskets, un petit jean. Voilà, vous êtes habillé pour la journée. Vraiment très sympa. Donc celui-là, il était aux alentours de 12 dollars, il me semble. Alors, je ne sais plus si c'était en dollars ou en euros. De toute façon, je vous mettrai les liens. Et chaque petit article, ça, c'est vraiment un super. Et est livré dans des petits pochons comme ceci, à petites zipettes. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Vraiment top. Ensuite, on va continuer dans les vêtements. Le petit top que je porte, c'est pareil, je vous le mets ici en petite vidéo portée. Il est vraiment très joli. Il est dans les tons bordeaux, oui, j'ai ma folie du bordeaux. Les bras ouverts avec ici plein de genres de petites dentelles. Il est vraiment très joli. Donc celui-là, il était aux alentours de 13 euros ou 13 dollars. Vraiment très sympa, très sympa. J'aime beaucoup. Le gros coup de cœur de cette commande, c'est ce petit Bombers fleuri. Je le porte très souvent. Vous me l'avez déjà vu porter sur Instagram. Je vous l'ai mis en photo sur Insta. Franchement, voilà, les manches sont toutes fleuries comme ça. Il y a du rose, il y a un petit peu de marronné, il y a un peu de vert. Il est super qualité. Il est top ce petit Bombers. Franchement, un gros coup de cœur pour cette pièce-là. Vraiment un très beau coup de cœur pour cette pièce. Je vous remets ici une petite vue portée. Franchement, un magnifique coup de cœur pour cette pièce. Et en plus, je crois qu'au niveau du tarif, il n'est pas excessivement cher. Il était à 20 euros, je crois. Donc moi, je l'avais pris en taille, que je ne vous dise pas de bêtises.
Je l'avais pris en 5XL. Je le ferme sans problème. Franchement, top, top, top. Ensuite, on va passer aux petits accessoires. Donc, les petites boucles d'oreilles que je porte, donc, qui sont celles-ci. Donc, elles sont vraiment très jolies. Par contre, moi, je vais les couper un petit peu au niveau du pompon parce qu'elles sont un peu trop longues pour moi parce que j'ai un tout petit cou. Donc, je vais les couper un petit peu. Je vais raccourcir un peu le pompon parce que du coup, je trouve qu'elles seront plus sympas comme ça. Donc, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Elles sont à moins de 3 euros. Donc, les boucles d'oreilles, elles sont avec une genre de demi-lune comme ceci. Et à l'intérieur, ici, vous avez des strass sur tout le haut de la boucle d'oreille. Elles sont dorées. Et là, vous avez plein d'incrustations dans. De petites paillettes. Donc comme je vous l'ai dit, moi je pense que je vais couper, je vais raccourcir un petit peu le pompon qu'elles soient un petit peu plus agréables pour moi à porter. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai un tout petit cou. Par contre, si vous avez un grand cou, ça le fait sans problème. Ensuite, on va passer à la petite paire de chaussures. On finira par les deux petits sacs à main. Oui. Alors, j'ai. Voilà, ça, ça. Je vous mettrai une petite vue portée également. Elles sont magnifiques et elles sont super confortables. Ce sont de genre de petites bottes, boots. Donc là, pour la saison qui arrive. Et sur le devant, vous avez des boucles et vous avez des strass et des perles. Perles, strass, perles, strass. Franchement, elles sont super bien finies. J'avais un petit peu peur de commander des chaussures. Et du coup, vous pouvez régler un petit peu la sangle. Ici. Vous pouvez régler la sangle puisque du coup ce n'est pas fermé. Donc vous pouvez un petit peu, peut-être si vous avez un peu le pied un peu plus fort ici au niveau de la cheville, vous pouvez gagner un petit peu. Franchement, elles sont super confort. On a l'impression d'être dans des chaussons. Elles sont grises, j'en avais pas encore en grise. Donc moi je les ai pris en taille. Bah, je vous remettrai la taille en barre d'infos parce que je crois que j'avais pris un 24,5. Pour les chaussures, c'est pareil. Oui, j'avais pris un 38. Pour les chaussures, c'est pareil, il faut mesurer la longueur de votre pied du talon au gros orteil. Là, vous obtenez un chiffre en centimètres. Ensuite, vous allez dans le tableau des tailles. Dans le tableau des tailles, c'est pareil, vous allez en face le nombre de centimètres que vous faites au niveau de votre pied. Et là, ça vous donne la taille qu'il vous faut vous commander. Donc, c'est super simple au niveau des tailles. Et franchement, c'était livré dans une boîte. Super bien emballé. Franchement. Top qualité, je suis très très surprise de la qualité, mais ravie. Et pour finir, on va passer à deux petits sacs. Celui-ci, c'est celui qui m'a un petit peu déçue de la commande. Je dirais, dans tout ce que j'ai commandé, c'est un petit peu ce qui m'a un peu déçue. Je trouve qu'il n'était pas assez protégé et du coup, il a pris une très très mauvaise forme. Alors, il est très joli, hein, il est très mignon. Il est noir et blanc. Il a une petite chaînette ici pour le transport, soit ici en plus long ou en plus court. Il est un petit peu, mais du coup, il a pris un petit peu cher, vous voyez, au niveau du transport. Donc, je vais essayer de le redresser tant bien que mal comme je peux. Pareil, au niveau des finitions, il y a un petit peu de fil qui dépasse, donc rien de bien méchant. Donc, je vais essayer de le rembourrer et pour essayer qu'il prenne une plus jolie forme. Ça, c'est pareil, je vais essayer de. Les petites lanières ont pris une mauvaise forme. Donc, c'est un petit peu déçu au niveau du, comment dire, du transport parce qu'il aurait pu être un peu mieux protégé. Et je pense qu'il ne serait pas arrivé un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai essayé de rembourrer. Donc, c'est un tout petit sac, hein, par contre, parce que vous voyez, par rapport à ma tête, c'est un tout petit sac. Donc, vous avez une petite pochette ici sur le devant. Donc, ça, c'est bien pour mettre, par exemple, le téléphone. Ensuite, vous avez une autre pochette ici. Et il y a de quoi mettre un portefeuille, un chéquier, une boîte de mouchoirs. Et la fermeture se ferme comme ceci. Donc, ça s'ouvre et ça se ferme très simplement. Donc, un peu déçu. Pas du sac parce que je le trouve très mimi, il est très joli. Voilà, un petit sac noir et blanc, j'en avais pas encore. Mais un peu déçu en fait du mode de transport parce que du coup il est un petit peu arrivé un peu cabossé. Et le gros coup de cœur au niveau du sac de cette commande, c'est cette petite beauté. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. J'adore, j'adore. Il est tout simplement sublime. Donc c'est un sac dans les tons bordeaux et noirs. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc sur le dessus, vous avez une impression comme des fleurs, mais en fait, si je vous le mets comme ceci, vous voyez, ce sont que des pics. Ce sont des petits picots en triangle comme ça. Vous voyez? Et je trouve ça super original. Donc vous avez deux couleurs. Vous avez un genre de rouge grenat qui est un peu plus bordeaux en vrai. Et l'ouverture se fait par un petit zigouigoui comme ça. Et voilà. Et ça s'ouvre. À l'intérieur, il n'est pas très très grand, mais il y a de quoi quand même mettre le portefeuille, le téléphone portable, etc. Il est vraiment très joli. Pour lui, il est arrivé sans encombre. Vous avez des petits pieds ici pour pas qu'il soit abîmé au sol. Et la lanière est dorée. Et avec ça, pour pas que ça vous fasse mal à l'épaule, je trouve ça top.
Il est vraiment sublime, sublime, sublime. Il était à moins de 18 euros, donc franchement, 18 euros un petit sac comme ça. Et l'autre, il était à moins de 18 euros. Je crois que je l'ai payé aussi. 10, enfin, le prix était à 17 euros, 17, 18 euros. Donc, franchement, encore une fois, ravi des produits que j'ai reçus. Franchement, franchement, le site Rose Gall, je vous le conseille à 1000%. Vraiment, il y a des pépites sur ce site. Franchement, faut vraiment fouiner. Et voilà, il y a des nouveautés toutes les semaines. Je vous mets le petit code promo ici qui est valable sur les choses qui sont hors promotion. Je crois qu'il y a 10%, donc c'est toujours ça de prix. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir encore une fois des choses de chez Rose Gall. Et si vous n'avez pas encore commandé, n'hésitez pas à le faire parce que franchement, il y a vraiment des petites choses vraiment très sympas. Il suffit de se référer au tableau détail et moi, je suis enchantée. Ça fait, je crois, ma troisième vidéo que je vous fais, troisième commande que je reçois du site. Et franchement, c'est une merveille. C'est pas parce que c'est un partenariat, quand ça va pas, ça va pas. Il y a des choses que j'ai reçues d'autres sites qui ne vont pas, donc voilà. Mais franchement, ça, c'est vraiment, c'est des produits que je porte. Quand je j'aime pas, je porte pas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.